on a décapé. À moins de deux semaines des 23e championnats d'Afrique d'athlétisme qui se tiendront au Cameroun, la capitale économique Douala, qui abrite les Jeux, se prépare. La Fédération camerounaise d'athlétisme a tenu jeudi une conférence de presse conjointe avec la mairie de la ville de Douala pour rassurer l'opinion et les différentes délégations qui viendront du travail qui est fait pour accueillir sereinement la compétition. Depuis le mois de juin 2023, avec une équipe projet qui a été mise en place. Je peux vous assurer que tout est prêt avec l'appui de la communauté urbaine de Douala. Comme vous le voyez à côté de moi, le maire de la ville lui-même, sur le soleil, c'est pour dire que cette situation est vraiment sérieuse. Nous sommes prêts et dans deux jours, disons samedi, dimanche, nous organisons au complexe de Djapouma notre championnat national cumulé avec la Coupe du Cameroun. Des équipements de qualité seront mis à la disposition des délégations. De son côté, la mairie de la ville de Douala, depuis plusieurs mois, a entamé des travaux sur les différents sites où les athlètes vont compétir. Ils ont besoin de d'infrastructures, de compétition en bon état, en très bon état. Je crois que c'est ce qui est en train d'être fait ici au stade, puisque l'essentiel des compétitions devrait se passer ici. Et quant aux compétitions qui se passeraient à l'extérieur, je crois que c'est surtout le marathon, éventuellement, ou peut-être autre chose, je ne sais pas si. La marche, ça se fera. Nous prendrons les dispositions pour que les routes soient réparées. La descente du président de la Fédération camerounaise d'athlétisme et du maire de la ville de Douala a permis de toucher du doigt les réalités et même de rassurer les médias présents que le Cameroun est prêt à recevoir les délégations.